Salam alaikum, Azul, bonsoir. Sensible remontée des cours de l'euro, le marché parallèle confirme ce qu'avait annoncé la chaîne précédemment. Le cours de l'euro est bel et bien revenu à son taux habituel, à une vitesse vertigineuse, pour atteindre les 2100 dinars. La hausse de l'euro, après une chute importante, démontre que ces fluctuations ont été conjoncturelles, plutôt que le fait d'une quelconque réforme économique. L'importante remontée enterre les analyses et autres explications fallacieuses qui ont attribué cette baisse aux décisions du pouvoir. Plus d'une fois, nous avons ici même sur ce plateau al-Maghribien expliqué que l'effondrement de l'euro était un fait exceptionnel dû au climat instable et aux rumeurs qui influent sur les acteurs du marché. Il faut rappeler que l'économie nationale n'a pas encore de réalisation productive capable de donner de la valeur à notre monnaie, d'améliorer les conditions de vie, tout simplement. Nous avons également rappelé plusieurs fois qu'il était impossible de voir notre monnaie devenir forte en comparaison à d'autres monnaies sans que des réformes économiques profondes et sérieuses et complexes aussi ne soient entreprises. Ce constat ne nécessite pas d'adhérer à quelques courants de pensée ou ne nécessite même pas une grande intelligence pour être démontré. Mais il se trouve que beaucoup de suppôts, de serviteurs du régime s'acoquinent du pouvoir réel sur le dos d'un peuple qu'ils pensent berner en lui faisant croire que l'euro finira vieux garçon et qu'il ne trouvera personne pour l'acheter jusqu'à ce que le mauvais sort soit inversé et que tout le monde soit convaincu que le régime est en train de mener le pays à la ruine sur tous les plans. Les résidus du régime de Bouteflika, ici symbole, qui sont restés au pouvoir, transfèrent leur fortune sous le haut patronage du commandement militaire. En effet, un député canadien a dévoilé que d'importantes sommes d'argent en provenance de la classe politique algérienne sont transférées au Canada. Le député en question, M. Dussault, a informé le ministre des Finances de son pays et lui a fait part de ses inquiétudes concernant ces sommes faramineuses et leurs incidences négatives sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le député Dussault a notamment appelé son gouvernement à s'opposer à réceptionner de telles sommes d'argent et a demandé à remettre les sommes au peuple algérien. Le plus déroutant dans les déclarations de ce parlementaire est qu'il fait référence aux responsables politiques algériens actuellement en fonction, ce qui prouve, encore une fois, s'il y en a encore qui doutent, que les détournements et les pillages se poursuivent sous nos yeux et avec la bénédiction et la protection officielle du pouvoir réel qui refuse de déloger les symboles de l'ère Bouteflika. Cela veut aussi dire que le clan actuel qui a pris le pouvoir n'est pas meilleur que l'ancien clan, puisque le nouvel clan exerce la corruption à plus haute échelle et avec une couverture officielle. Le refus de Gaïd Salah de le déloger et son obstination à refuser les demandes légitimes du Hirak démontrent qu'il les protège quoi qu'il en soit. Les robes noires aujourd'hui se mobilisent et reviennent sur la scène jeudi, demain. Les avocats ont décidé de boycotter le travail judiciaire jeudi 11 juillet. Ils préparent une marche et des rassemblements dans plusieurs villes et ont à cet effet renouvelé leur soutien au Hirak populaire. Les avocats ont annoncé la création d'une cellule de crise pour suivre les événements au niveau national et pour dénoncer toute forme de dépassement et de violation de la liberté d'expression, toute tentative de faire pression pour empêcher les citoyens de se réunir, de s'exprimer ou de se réunir. Ils ont également appelé à la libération immédiate des détenus d'opinion et ont rappelé leur droit fondamental, un procès équitable. Après une absence remarquable du Hirak, les avocats semblent faire preuve de bonne volonté, affaire à suivre. Pour justifier la prolongation illégitime du mandat de chef de l'État, le pouvoir a eu recours à des experts en droit aux ordres. Au moment où nous entrons dans le vide constitutionnel, le régime fait appel à des pseudo-experts qui nous racontent qu'il n'y a pas de vide constitutionnel. Les experts du régime qui ont inondé les plateaux télévisés de leur soupe juridique
pour assurer la légitimité de la fatwa constitutionnelle, la fatwa de Sturia, l'avis juridique, ajoute que cet avis n'est fondé sur aucun texte de loi, mais qu'il est plutôt inspiré de l'esprit de la Constitution. Ceci est évidemment la porte ouverte à toutes les fatwas anticonstitutionnelles, parce que l'inspiration est un vaste mot qu'on peut accoler sur n'importe quel principe. Cela fait pourtant des mois que le peuple algérien s'inspire des articles 7 et 8 de la Constitution et que personne ne semble vouloir entendre. Dans une déclaration d'une violence à laquelle il est difficile de se faire, Gaïd Salah, qualifié de traître tous ceux qui s'opposent à sa politique et menacent d'user de la justice. Dans une nouvelle intervention, Gaïd Salah annonce son soutien à l'initiative de conférence de Ben Salah et la considère comme tutrice de la mise en place de l'état de droit. Le chef d'état-major accuse les acteurs du Hirak de collaborer avec des parties étrangères et les qualifie de traîtres. Il répond à leur slogan avec une violence sans précédent. Gaïd Salah qualifie ceux qui appellent à la primauté du civil sur le militaire d'esprit malade dicté par des partis ennemis de l'Algérie. Des partis qui, selon lui, nourrissent une haine envers l'armée populaire nationale, héritière de l'armée de libération nationale, et envers ses penchants nationalistes novembristes. Gaïd Salah a qualifié tous ceux qui adoptent une opinion contraire à la sienne de mafieux et les a menacés d'user de l'appareil judiciaire contre eux. Et dans une saillie surréaliste, Gaïd Salah s'en est pris au Mujahid Lakhdar Bourgaa. Il y avait beaucoup de haine dans son langage et il n'a pas hésité à le défamer et à le condamner en faisant de lui un ennemi qui souhaite détruire la nation. Avant d'ajouter, et tous ceux qui se sont éloignés des vertus du djihad véridique se sont mis du côté des perturbateurs. Le chef d'état-major, Gaïd Salah, a abordé la question des militants arrêtés pour le port de l'emblème Amazir et leur a nié la qualification de détenus d'opinion. Il est allé plus loin en leur déniant leur appartenance aux enfants du peuple algérien et les a rangés dans le même sac que les corrompus, les pilleurs et les traîtres. Gaïd Salah a conclu sa guerre contre tout le monde avec son sujet favori, la mafia, al-Isaba. Cette Isaba qu'il voit partout. Cette mafia qui, selon lui, a encore de nombreux relais actifs dans la société, des relais qui souhaitent sans retour qu'il la défende et qui exécute ses complots. Une mafia qui travaille dur pour saboter les marches et dévoyer l'objectif premier du Hirak. Comprendre, si les slogans sont dirigés contre lui, alors ça veut dire que c'est la mafia qui contrôle le Hirak. Aujourd'hui, Gaïd Salah définit les contours d'un éventuel dialogue qui ne pourra porter que sur l'organisation d'élections présidentielles et leur surveillance. La période de transition est totalement éludée et ceux qui demandent la primauté du civil sur le militaire sont qualifiés de traîtres.
Saïd Saleh, vous êtes des traîtres est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici, sur le plateau, Fatah Bendali, secrétaire général de Jil Jadid Europe. Fatah Bendali, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Aussi avec nous, Ali Boucherka, militant politique. Ali Boucherka, bonsoir. Bonsoir Hussein et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Avec nous aussi, Boukhalfa Ben Mamar, militant politique, militant des droits de l'homme. Boukhalfa, marhababik, bonsoir. Merci Hussein, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous inviter et à nos téléspectateurs. Boukhalfa, ça fait longtemps. Oui, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Avec nous aussi par téléphone depuis Alger, Karim Tabou, le coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Hussein, bonsoir les invités, bonsoir tout le monde. Merci. Karim Tabou, on va commencer alors par vous. Karim Tabou, donc Gaïd Salah, pour une énième fois, s'est exprimé aujourd'hui. Il a presque accusé tout le monde de traître, mais on a quand même mis cette phrase entre deux guillemets quand même. Comment vous avez justement suivi cette déclaration? En tout cas, le discours de Ben Salah, suivi du discours de Gaïd Salah, confirme l'adage ou l'expression qui dit qu'il y a le bâton et la carotte. Mm-hmm. Pendant que l'un prétend prendre la main au dialogue, l'autre, il force justement cette main pour que le dialogue soit une espèce de mise en pratique d'une feuille de route décidée unilatéralement par les tenants du pouvoir. La deuxième est que nous rappelons à l'opinion publique que le chef de la FABA, c'est le ministre de la Défense pendant 20 ans. Si aujourd'hui, il y a une nécessité de pousser à l'extrême la lutte contre ce qu'il appelle la FABA, le chef de la FABA, il s'appelle Abdelaziz Bouteflika, le ministre de la Défense pendant 20 ans. C'est cette personne-là qui mérite aujourd'hui d'être présentée devant la justice et d'être mise à l'harrache, et parce que c'est lui le chef de la FABA. Aujourd'hui, quand j'entends sortir de je ne sais pas d'où des concepts de novembriste, je m'interroge. Les novembristes étaient où pendant 20 ans où l'Algérie était mise aux enchères de la vente sur les marchés, tous les marchés. L'Algérie a été vendue, l'Algérie a été complètement cédée. Et pendant les 20 années où l'Aïsaba se comportait comme une bande de voyous mafieuses qui a géré le pays, il n'y avait pas de novembristes. Ces novembristes étaient inclus dans l'ISABA. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le chef de l'ISABA, il est reconnu de tous les Algériens, il s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Et ce Abdelaziz Bouteflika était pendant 20 ans le ministre de la Défense. Il a eu des vice-ministres. Il a eu des collaborateurs. Donc si aujourd'hui, il y a lieu de chercher qui sont les traîtres de la nation, c'est tous ceux qui étaient aux côtés de Bouteflika pendant 20 ans et ils ont poussé ce pays, conduit ce pays à la situation que nous vivons. Parce que cet Aïsaba n'a ni de religion, ni d'emblème, ni de langue. Ils n'ont de langue que de l'emblème, que le drapeau de son attraque. Ils n'ont de religion que la corruption. Ils n'ont de fonctionnement que la recherche des intérêts. Donc aujourd'hui, les gens qui prétendent donner des leçons sur le nationalisme, sur l'emblème, je crois que l'emblème, quand ils parlent eux de l'emblème, je pense qu'il parle de l'emblème de son attraque, du drapeau de son attraque. Parce que le vrai drapeau, le drapeau national, ils sont exclus, ils l'ont vendu, ils l'ont cédé, ils l'ont souillé, ils l'ont salé,
Ils ont fait tout de ce drapeau. Et pendant 20 ans, ce pays a été réduit à être regardé comme, j'allais dire, comme une blague. Nous avons été un pays qui a fait, qui a marqué ces deux dernières décennies par le grand point d'interrogation qui est posé sur ce pays. Les gens se sont interrogés. Comment un pays aussi riche, un pays qui a toutes ses richesses, toutes ses énergies, tout ce potentiel, est réduit à un peuple qui se jetait dans la mer, un pays qui vit dans des conditions lamentables, autant dans son éducation que dans sa santé, que dans sa sécurité, que dans tous les domaines. Les gens ne comprennent pas. Si on avait mis à la tête de ce pays un comité de liquidateurs, ils n'auraient jamais réussi à liquider un pays aussi riche, aussi grand que l'Algérie, comme ils l'ont fait ces gens-là. Donc aujourd'hui, encore une fois, on veut faire peur aux gens, on veut taire la parole du peuple. C'est une preuve supplémentaire que la Essaba la vraie, une partie de l'Aïsaba est liée à l'Haraj, mais également une partie de l'Aïsaba s'est emparée du pouvoir et il veut utiliser tous les procédés pour se maintenir, pour casser le Hirak, pour avorter une révolution joyeuse, une révolution qui s'est donné la promesse d'instituer un État démocratique, un État qui va obéir à la loi, avec son corollaire de la justice indépendante, une justice indépendante qui aura l'attitude, le pouvoir de chercher, d'enquêter, de juger tous ceux qui se sont rendus responsables de crimes contre ce pays, qu'ils soient des crimes politiques ou des crimes économiques. Restez avec nous, Karim Tabou, je reviens vers vous justement pour une deuxième question avant de vous laisser partir, Fatah Bendali. Vous, Jil Jadid, je rappelle que vous avez participé au forum du dialogue. Aujourd'hui, en écoutant Gaïd Salah. Le fait, je ne vois pas le rapport entre participer au forum et Gaïd Salah. Donc pour revenir à Gaïd Salah, et on pourra revenir sur le forum si vous le souhaitez après. Gaïd Salah, encore une fois, on a l'impression qu'il a dans sa main un jeu de cartes, qu'il abat semaine après semaine avec des arguments qui n'ont qu'un seul but, qui est de diviser et de scinder la population algérienne. Alors qu'on voit depuis maintenant plus de 4 mois, le peuple à l'unisson, dans la rue, tous les vendredis et tous les mardis, tous les lundis, pour certaines corporations, pour les étudiants, et les dimanches. Mardi pour les étudiants, oui. Voilà, et à l'étranger, tous les dimanches, voire plus dans certaines régions. Et samedi aussi. Voilà. Le peuple algérien est en cœur, scandant la seule devise qui est commune. Que le régime dégage. Lui, rappelez-vous, il nous a sorti la menace de l'ordre public il y a 2 mois de cela, quand les manifestations ont commencé. Il a ensuite sorti l'histoire de Aïd el-Khalijia, les mains de l'étranger. Deuxième épisode. Un autre épisode qui n'est pas très lointain, celui des drapeaux. Oui, l'emblème, oui. Voilà. Aujourd'hui, il nous dit les traîtres de l'État, il n'a qu'à les nommer s'il le veut. Pourquoi il ne les nomme pas? Pourquoi il sème ce venin au sein de la population algérienne qui est toute unie, je le redis, pour semer cette confusion, que chacun ait des doutes et des soupçons, c'est leur méthode depuis toujours d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau, en ayant le doute vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de son cousin, vis-à-vis de son collègue de travail, et pour dire, voilà, méfiez-vous les uns des autres, il y aurait peut-être des traîtres. – Mais justement, qui traite-t-il aujourd'hui de traîtres, puisque si on parle, c'est pour ça que j'ai parlé du forum du dialogue, parce qu'il y a des partis politiques qui ont participé dans ce forum, mais ces partis, justement, leurs militants sont dans le Hirak. Est-ce que ces militants aujourd'hui se sentent eux aussi traîtres, qualifiés de traîtres par Gaïd Salah? Écoutez, si être traître, c'est d'exposer son point de vue et apporter une proposition et une solution de sortie de crise, à voir. Ce n'est pas la définition que je donnerais à ces gens-là. Vous avez cité des partis, un certain nombre d'entre eux. Ils ont été autour de la table de cette conférence de la semaine dernière pour exposer leur point de vue de manière
transparente, de manière ouverte et publique pour une sortie de crise de l'Algérie. Maintenant, si on veut rester dans une politique de chacun pour soi et chacun défend ses idées en opposition vis-à-vis des autres, on ne s'en sortira pas comme ça. Voilà, l'idée principale qu'il ne faudrait pas perdre de vue de cette initiative du 6 juillet, c'était que les gens se retrouvent, qu'ils exposent leur point de vue. On n'est pas là pour trouver un consensus unique, ni une feuille de route unique. Mmh. C'est d'abord exposons les points de vue des uns et des autres, et ensuite on avancera vers le meilleur. Ali Boucherka, le discours de Gaïd Salah d'aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est une déclaration ou là, un discours complètement irresponsable à tant d'égards. Mmh. Et ce discours ne dit rien. Il en révèle par contre beaucoup de choses. Il révèle les choses que le commandement militaire feint d'ignorer et soi-disant défendre. Un discours de cette violence-là est une insulte à l'institution militaire elle-même, qui est censée rester dans ses prérogatives de défendre la population, d'assurer la paix sociale et défendre l'unité nationale. C'est une insulte aussi à l'ordre constitutionnel que Gaïd Salah lui-même feint de défendre. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un désaveu cinglant à l'appel au dialogue de Ben Salah. Justement, aujourd'hui, oui. On ferme la porte et on prépare ou bien on expose ce qu'on appelle une argumentation, un argument d'autorité, de dire maintenant, c'est à moi de reprendre la main sur le mouvement, sur ce qui se passe et sur les possibles débouchés politiques. Troisième point, c'est une insulte à l'histoire et à novembre. Parce qu'aujourd'hui, ils nous traitent tous des traîtres. Moi, j'ai envie de lui dire que les combattants de novembre, ils sont combattus, ils sont sacrifiés corps et âme pour libérer le pays et libérer les Algériens avec. Aujourd'hui, un discours de cette virulence-là et de menacer et de traiter quasiment des millions d'Algériens qui manifestent dans les rues chaque vendredi de traîtres et en soi un acte de traîtrise par rapport à la Révolution. Maintenant, sur le fond, on peut dire des choses. Bourga aussi, il a Bourga, presque nommé, justement, en disant qu'il est traître. Il l'évoque, ouais. Bourga et tant d'autres. Mais rentrons sur le fond maintenant. On sent quelque chose. C'est que ce discours-là, on sent la perte de contrôle sur la société. C'est que le commandement militaire n'est pas habitué à ça, en fait. Mm. C'est que le commandement militaire, depuis les années 60, il avait une certaine emprise sur la société. Il exerçait un certain chantage sur la société. Et aujourd'hui, le fait qu'ils sont là à constater qu'ils n'ont plus d'effet sur la société et que leurs incantations restent, tombent dans une oreille sourde auprès de la population, eh bien forcément, on hausse le ton. On sent aussi quelque chose aussi, ils sentent la perte de toutes les légitimités. Je dis bien toutes les légitimités. Et alors, en pensant qu'en usant de la force et en usant de ces procédés-là de traîtrise et de menace, on va extorquer de la population des aveux, des accords et un consentement à cette pseudo-légitimité. Alors, on peut dire une chose, c'est que ce commandement militaire, aujourd'hui, s'il y a bien une menace pour les institutions de l'État, pour la continuité de l'État, pour le futur de l'Algérie et pour la paix sociale, c'est bien lui. Et donc, on sent bien qu'aujourd'hui, il cristallise ses critiques, notamment sur les demandes, sur la fameuse séparation du politique et du militaire, qui cristallise en fait ses critiques. On peut dire une chose, c'est que c'est précisément là que on les a touchés dans le fameux, ça nous renvoie en fait au fameux clivage historique, au péché originel de ce régime, ouais. Qui est la confiscation d'une légitimité qui était en main du GPRA et qui sont rentrés dans le pays, je rappelle, avec des chars, en prenant Alger par la force. Et alors aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, cette question de demande d'un état civil est en soi un boomerang de l'histoire pour la corriger. Boukhalfa Belmamar, justement, Gaïd Salah s'en est pris violemment à ce slogan « Daoula Madaniya, Machi Askaria ». On a même une vidéo, on va la regarder ensemble. Mm-hmm. Oui. Je ne sais pas, Abdallah, si la vidéo est prête. Oui. الرافضون ليصير الحسن لهذا المسار الدستوري
الصايب ووضعها في الطريق على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة. الأهداف والنوايا مثل مطالبة بالدولة المدنية وليس الدولة العسكرية. إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادلة الجزائر ومؤسستها الدستورية، دوائر تكون حقدا دافئا للجيش الوطني الشعبي سير الجيش التحرير الوطني ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب. وخلفا plus clair que ça tu meurs. Alors moi je commencerai par une citation d'un grand homme politique qui n'a pas vécu assez longtemps en Afrique, qui est le colonel Thomas Sankara, donc président du Burkina Faso, qui a été renversé, assassiné par son ami, entre parenthèses. Il disait qu'un militaire sans conscience politique est un criminel en puissance. Voilà. Donc pour redéfinir pratiquement tous les systèmes post-indépendance après la décolonisation, donc en Afrique, surtout en général. Donc on en a l'exemple frappant. On a un pouvoir militaire où les militaires n'ont aucune conscience politique. Et donc, par de là même, c'est l'ouverture à toutes les exactions. Pour nous, concernant l'Algérie, c'est le cas depuis 1962. Bon, si on reprend les événements, donc le général-major est très cohérent. Puisque moi j'irai plus loin par rapport à ce qu'a dit notre voisin d'à côté, c'est que le péché original ne remonte pas à 62, il remonte à partir du moment où le conglomérat des militaires ont décidé d'éliminer Aben Ramdan, parce que il faut le dire et l'assumer, c'est Aben Ramdan, l'Arbi Ben Mehdi, qui quand même dans le cadre du congrès de la Soumam, avait dit qu'il y avait une primauté du politique sur le militaire, et je ne les soupçonne pas de vouloir avoir la même mise sur la révolution, mais c'était une projection ultérieure sur le futur état de l'Algérie. Oui. Tout simplement que le bras armé restera le bras armé. Et l'approche politique, tout ce qui va se construire, la projection, c'était un état démocratique. Et que les missions de l'armée n'allaient pas au-delà de ce qu'elles étaient censées être. Donc le cours de l'histoire a été influencé différemment. C'est vrai qu'à l'indépendance, on a eu des chars à la place d'autre chose, et on est dans cette situation. Donc, El Gaït Salah est cohérent, tout à fait cohérent dans la démarche. Il obéit, il a été dans une école, et il ne reprend que les fondamentaux de sa propre école. Ça, d'une part. D'autre part, le procédé de traiter les autres de traîtres, donc est un procédé aussi vieux que le monde, surtout chez nous. C'est très facile. Il n'est pas à sa première fois, en tout cas. Oui, mais c'est une des constantes du régime. Voilà. C'est une des constantes du régime. Quand on attaque l'emblème aujourd'hui, 70 ans en arrière, il y a 70 ans en arrière, en 49, une poignée de jeunes militants nationalistes, avec un grand N, ont posé le problème de ce qu'allait être la nation algérienne, pas l'identité. Ce qu'on a qualifié plus tard de la crise berbériste, 70 ans plus tard, le même procédé est utilisé pour stigmatiser les gens. Et vous allez remarquer que le timing, donc pour ne pas la nommer, cet écervelé, qui sort sur ce terrain là aussi, mais qui s'inscrit dans le même axe que les propos du général, en disant, on fait de la question identitaire, comme on dit, une variable d'ajustement politique. Parce qu'il est... Bon, le problème posé par la révolution du 22 février est très simple. C'est le départ du système de ses racines. Ouais. Donc, on se focalise aujourd'hui sur des problèmes qui ne sont en réalité pas des problèmes, mais qui de toute façon doivent se poser. Parce qu'on a un problème de se creuser. Le problème de la nation se pose aujourd'hui en Algérie. Le problème de la nation se pose, le vivre ensemble se pose. Il n'y a que les gens qui veulent mettre de la poussière sur le tapis qui ne veulent pas le voir. Mais ça doit se poser de toute façon. Mais comme je vous ai dit, moi je trouve personnellement, à titre personnel, que El Gaït Salah est assez cohérent dans ses... Et au-delà, le personnage n'est pas si important que ça, puisqu'il est révélateur de cette façon de penser et de procéder du système. Il est le digne représentant de ce système profond. Et... plus il s'exprime et plus on a réellement les limites et les contours de la pensée du système.
Oui, en fait, juste une. Vous voulez rajouter quelque chose, oui. Un petit complément par rapport à ce qu'on est en train de dire par à Gaït Salah et ses propos. Vous avez tous noté qu'il a utilisé le terme de traître. Oui. Et vous a pas échappé aussi que la traîtrise ou la trahison, c'est un vocabulaire propre à l'armée aussi. Pour quand on veut opposer. Tout de suite, oui. Voilà. Oui. Vers, il y a toujours un ennemi. Absolument. Et donc, il y a toujours des traîtres. On revient à cette manipulation qui est flagrante et sur laquelle il faudrait bien garder les yeux et être vigilant, de la manipulation au sein de la population pour dire, ben voilà, il y a des traîtres et puis il y a les pro-algériens. Mais traîtres dans quel sens? Parce que lui, il parle aussi de collaborer avec des parties étrangères. Oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'a qu'à les nommer. Il n'a qu'à agir s'il veut vraiment. Déterminer les choses et les appeler par leur nom. C'est premier élément. Est-ce qu'on peut qualifier 22 millions de traîtres d'Algériens? Là est le vrai sujet, parce que la population, elle scande un slogan qui est assez clair, Jamhouria et Meshé Kazerna. Oui, Madaniya, Meshé Askaria. Exactement. Donc du coup, le peuple n'est pas dupe, il va continuer à porter ce slogan jusqu'à obtention de du résultat escompté. Et il n'est pas dupe non plus pour faire la distinction entre l'institution militaire qui, elle a tout le respect et tout le mérite du peuple, parce que les militaires sont nos frères, ils sont issus de nos familles, on a tous dans nos familles des militaires, et qui a la mission de la garantie de la stabilité et de la sécurité de l'État. C'est pas à vous que je vais rappeler les menaces qui peuvent aussi être pas très loin de nos frontières, c'est une évidence. Mais la seule chose qu'on demande et que le peuple demande, c'est cette distinction, Barakat, on en a assez de ces militaires qui font de la politique au lieu de faire leur mission qui est par ailleurs la plus noble du monde. Donc retour aux politiques, la mission des politiques pour eux et les militaires à leur place. Karim Tabou, Gaït Salah, toujours dans la même déclaration, a qualifié tous ceux qui adoptent justement une opinion contraire à la sienne de mafieux et les a menacés d'user de l'appareil judiciaire contre eux. En tout cas, à chaque jour, il apporte la preuve que la justice est soumise à ses ordres, alors qu'on parle d'une justice libérée. Et voilà la question des arrestations qui ont été opérées. Le lendemain de son discours, la justice, on a fait de son discours une base juridique. C'est la preuve suffisante que nous sommes en face d'un appareil judiciaire soumis entièrement. Et je passe sur l'appareil médiatique qui est également soumis et dans des contextes qui sont les contextes actuels. On ne peut pas parler de la mise en place d'un processus politique de dialogue. C'est vraiment la prise du pouvoir absolu. Mais heureusement que les Algériens sont assez conscients. Vous savez, toutes les menaces qui ont été proférées contre le peuple depuis le début, on a bien considéré les Algériens comme étant Mogarrabéhom, on les a bien considérés comme étant les alliés de l'Occident, la main étrangère, mais en tout cas, ces discours-là, ils sont anciens, ils font partie de la pensée ancienne, ils font partie du système ancien. C'est les raisonnements qui datent de très très longtemps. Et malheureusement, le pouvoir actuel ne veut pas comprendre qu'il est hors temps et qu'on n'est plus dans la pensée unique et dans la vision unique. Et inévitablement, en tout cas, le peuple algérien va reconquérir ses droits. Inévitablement, si quelqu'un comme le chef d'état-major considère que tous ses étudiants, tous ses enseignants, tous ces avocats, tous ces Algériens qui sont à l'étranger, tous ceux qui manifestent le vendredi, sont des traîtres, alors là, il ne faut pas être fier d'être chef d'état-major d'un peuple constitué de traîtres. Et par conséquent, moi je pense qu'un pouvoir finissant, c'est les caractéristiques. Il est aux abois. Il montre des aptitudes menaçantes. Il essaye de jouer les dernières cartes.
Justement, désormais... Karim Tabou, justement, dans ce sens, beaucoup d'observateurs pensent que Gaïd Salah, dans sa déclaration d'aujourd'hui, du moins, veut entraîner progressivement l'Algérie vers l'inconnu. Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté dans son discours de maintenir le système et déplace le conflit vers un affrontement, aller vers la violence, déclencher une, ce qu'ils appellent, eux, l'état d'urgence? Est-ce qu'ils sont dans cette logique? En tout cas, moi, je l'ai déjà dit depuis deux semaines, sur les ondes de sur la chaîne Magharibia, que les attitudes violentes, les brutalités policières étaient injustifiées et que par conséquent, un des scénarios sur lesquels peut être réfléchi le pouvoir, c'est de créer les prétextes par lesquels ils vont fermer Alger. Et je pense que c'est ça la stratégie qui est en train de se mettre en place, parce qu'habituellement, le pouvoir, à la limite, laisse... se dérouler les contestations en dehors de la wilaya d'Alger, dans Kabylie, au sud, à Ghardaïa, mais il a assiégé la capitale pendant 20 ans sous les prétextes fallacieux de sécurité, de stabilité, de tout ce qu'on veut. Et comme le Hirak a libéré la capitale, je pense que la stratégie est fondée sur deux choses. La première, c'est stigmatiser une région dans l'espoir de créer des solidarités autour du pouvoir des autres régions. Et c'est un processus qu'on a bien vu, qui était bien mené. Il y a une enveloppe, on appelle ça un novembrier Badisia. Tout le monde sait que ceux qui ont fait le vrai 1er novembre n'ont pas besoin de s'inventer un autre 1er novembre. Ouais. Ceux qui ont vécu le vrai 1er novembre de 1954 n'ont pas besoin de se créer un 2e novembre. Ils sont tellement ancrés, enracinés dans le nationalisme, dans l'amour de la nation, dans l'amour du pays, qu'ils n'ont pas besoin de s'inventer une nouvelle philosophie, parce que pendant 20 ans, le novembrier Hadil Jadida, كانت غائبة كي كانت الجزائر تباع في المزاد العلني, كي كان بوتفليقة بايع البلاد, aller-retour, comme on le dit, بالعامية. Et il n'y avait pas de novembrier, il n'y avait pas de Badisia. Et aujourd'hui, effectivement, on veut créer une tension, des rivalités, de faux clivages. On anime de fausses animosités et dans la perspective de tenter de diviser le Hirak et créer surtout le prétexte par lequel ils vont fermer Alger, ils vont interdire les manifestations à Alger. Ceci dit, il faut pas avoir peur. Il faut nourrir l'espoir des Algériens. Il faut dire que nous avons mené une révolution joyeuse. Il faut la parachever. Il faut la poursuivre. Il faut résister. Il faut descendre le vendredi prochain. Il faut être des millions à descendre sur Alger et garder tout le climat apaisé. Des colis silmiya en toute silmiya et d'une manière pacifique. Il faut dire aux Algériens que ce système, il est aux abois, il est en fin de cycle, il joue le temps mort. Le système est en train de vivre le temps mort. Donc, nécessité de se remobiliser, peut-être plus que le 5 juillet, parce que le 5 juillet, effectivement, il avait une grande symbolique. Mais si nous voulons donner du sens au 5 juillet, à cette grandiose mobilisation, c'est de faire du 12 juillet un moment de résistance, un moment d'engagement, un moment de mobilisation générale pour tout simplement dire, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que ce peuple ira. Et cela, quelles que soient les attitudes des uns et des autres, en tout cas, le pays, le peuple algérien, est bien conscient des enjeux, est bien conscient des manœuvres. Il va déjouer tous ces scénarios. Il est décidé, en tout cas, à reconquérir le terrain et à reprendre son droit à vivre dignement. Karim Tabou, dernière question. Les partis qui ont participé au forum de dialogue il y a deux jours, est-ce que doivent-ils sentir aujourd'hui trahis par ce discours? Je le pense. Vous avez bien dit, et là je fais toujours l'effort de remettre les vrais mots qui conviennent à ces situations.
Hussein, vous avez parlé de réunion des partis politiques. Oui, vous avez raison, parce que dans le jargon médiatique, assez souvent, on qualifie ces réunions de réunions de l'opposition. Or, la réalité est que les présents dans cette réunion, beaucoup d'entre eux, ne se sont jamais opposés à quoi que ce soit. Absolument. Bien au contraire. Lorsque je vois Kerim Bousselem, qui est journaliste de la télévision unique, qui est là et qui a propagé des mensonges pendant 20 années, et il est reçu avec tous les honneurs dans la conférence dite de l'opposition, pour avoir été cité dans le discours du chef d'état-major, ça suffit. C'est un indice suffisant. Et puis également, cette approche sectaire de la politique, ceux qui pensent que la politique doit se pratiquer par une logique de tribu, se trompent. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une tendance à vouloir s'investir dans les scénarios de ce que j'appelle les fausses animosités, les faux clivages, et les gens pensent qu'il est grand temps pour qu'ils se positionnent dans la perspective de leur remise du pouvoir par le pouvoir actuel ou de partager ce pouvoir avec eux. Ils se trompent parce que, en finalité, et on a eu des expériences par le passé, coup d'état de 63, on a dit aux gens que c'était la Wilaya 3 qui posait problème. En 80, on a dit que c'était les Kabyles qui posaient problème. En 91, on a dit, en 88, on disait que c'était les complots de l'intérieur du système. En 91, on a dit que c'était les islamistes le problème. Et aujourd'hui, on nous sort des concepts d'ici à novembre. Mais en fait, le même système là, il tente de ruser avec l'histoire. Il tente de ruser avec le peuple algérien. Il tente d'avorter une révolution jamais connue parce que depuis 62, jamais les Algériens ne se sont mobilisés avec un tel volume à l'est comme à l'ouest, au sud comme au nord. Et aujourd'hui, certains partis politiques, c'est bien dommage, moi je le regrette, je le déplore, certains partis politiques, pour des calculs liés à leur petite personne, ils veulent se saisir de cette opportunité de conflit interne au pouvoir, ils veulent se placer du côté d'un camp contre un autre. Quand j'écoute les partis politiques, ils n'ont pas osé dire un mot sur l'arrestation des Moudjahidines, sur les arrestations qui se sont opérées contre des jeunes, sur la fermeture du champ politique, sur la soumission d'une manière absolue de la justice au seul caprice du seigneur de l'heure, et ils ne trouvent pas quoi dire, bien au contraire, ils trouvent le plaisir. C'est suffisant. C'est suffisant, mais en tout cas, lorsque vous analysez les parcours des uns et des autres, vous allez vous apercevoir que beaucoup d'entre eux, moi je comprends qu'il y ait un ancien ministre de la communication qui en 99 était nommé ministre pour faire la promotion de Bouteflika, 20 années après il se retrouve aux commandes d'une conférence dite de l'opposition, je m'interroge. Quand je vois des gens qui étaient des premiers ministres du temps de Bouteflika impliqués dans le scandale de Khalifa, et je comprends pourquoi le chef d'état-major avait tiré le dossier qu'on appelle le dossier de Khalifa. Finalement, il y a une grande partie de la classe politique qui a le fil à la patte et qui n'a pas son autonomie de décision ni son autonomie de réflexion. Moi, si je tiens ce discours, c'est parce que je suis autonome, parce que je défie toutes les instances du pays à trouver la moindre des choses qui est liée à la corruption, qui est liée au non-respect de la loi, qui est liée à quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas d'une grande partie de la classe politique impliquée dans la corruption. Karim Tabou, c'est un peu grave ce que vous dites, parce que est-ce qu'il y a des partis qui étaient justement dans ce forum, et parce que Gaïd Salah avait des dossiers sur eux, c'est pour ça qu'ils ont dit OK? Vous savez, il suffit de reprendre son discours quand il a évoqué la remise sur le tapis du dossier Khalifa. Il a dit dans un discours, d'ailleurs c'était curieux, les gens se sont interrogés, parce que devant les autres scandales financiers qui étaient aussi importants que le dossier de Khalifa, qui date quand même d'une dizaine d'années, le fait de l'avoir remis sur le tapis avait un sens. Il vous suffit, vous journalistes, de chercher quels sont les partis politiques, quelles sont les personnalités politiques impliquées dans l'affaire Khalifa, vous comprenez mieux comment aujourd'hui une partie de cette classe politique est soumise
parce qu'il n'a pas son indépendance, il n'a pas son autonomie, il est impliqué dans la corruption. Je le dis, je l'assume. Merci Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Sahit, Ali, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est juste par rapport aussi à ce discours de Gaït Salah, c'est que quand il y a ce retour vers l'option autoritaire et cette montée au créneau indique quelque chose, c'est qu'ils ne sont pas habitués à voir des Algériens manifester et refuser leurs offres politiques de sortie de crise. Oui, mais là, ils sont habitués depuis 4 mois. 5 mois. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire depuis l'indépendance. Jamais les Algériens sont sortis aussi nombreux, aussi déterminés pour refuser au commandement de l'armée une offre de politique qu'ils arrivent toujours à trouver les manœuvres ou les diversions nécessaires pour y conduire la population au but voulu. Maintenant, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que c'est l'échec aussi de toutes les tentatives de sortie de crise proposées par le commandement militaire depuis l'activation de l'article 102. En fait, rappelons-le, aujourd'hui, ce procès aux traîtrises, en traîtrise et en ayad al-dakhiliya ou la kharijiya indique quelque chose, c'est que c'est le symptôme de quelque chose. Ce n'est pas spécialement la cause première. C'est quelque chose qui a été, en fait, produit par une situation. Quelle est la situation? Moi, je le dis, et il le dit lui-même dans son discours, c'est le refus de la population de consentir à aller vers des élections présidentielles, comme aujourd'hui. Il a parlé des élections, bien sûr. Donc, le peuple algérien, lui, il insiste plus que jamais en disant « Makesh itikhabat yala esabat ». Et eux, ils disaient derrière qu'on va y aller aux élections, c'est le seul chemin et qu'il ne peut pas y avoir, en fait, une période de transition. Rappelons une chose, c'est qu'aller dans des élections présidentielles aujourd'hui, et je le dis à destination de tous les porteurs de cette proposition, qui pensent éventuellement quelques-uns par... Et là, pour le coup, je rejoins un peu la lecture de Karim Tabou, qui dit qu'il peut y avoir des partis aussi qui sont peut-être intéressés d'occuper maintenant que l'espace politique de Bouteflika est évacué. Donc, occuper cet espace et faire une espèce de vitrine pour le pouvoir réel. Je dis une chose, c'est que quand on insiste avec autant de force sur l'élection présidentielle, c'est que c'est précisément la voie qui renouvelle le personnel politique, qu'on a une mais qui maintient le système. Ouais. Elle renouvelle le personnel politique, mais elle maintient le système. Parce qu'aujourd'hui, sans un chantier de transformation institutionnelle et constitutionnelle, sans des garanties foncièrement, tranchantes avec Al-Qati'a Siyasiya, ce qu'on réclame la population d'ailleurs et qui rejoint les demandes populaires. Moi, je ne peux pas comprendre que des partis politiques, après la démonstration de force du 5 juillet, puissent le lendemain venir s'asseoir à table pour négocier une possibilité de sortie de crise par une élection présidentielle avec des conditions et des garanties absolument minimalistes. Dans le cadre d'une constitution rejetée par la population. Dans le cadre d'une constitution et surtout quand on voit le diagnostic dressé, je ne parle pas de tous les partis, mais en tout cas, c'était la feuille qui a été rendue publique au matin. En disant que le diagnostic, finalement, le mal algérien depuis 62 à aujourd'hui, il se limite finalement à dire que c'est le trucage des élections et qu'on a une classe politique qui est à la fois incompétente et corrompue. C'est se tromper absolument de cible. Et dresser un faux diagnostic de la sorte condamne la feuille de route, qui d'ailleurs ressemble à celle de Gaït Salah sur plusieurs éléments. Et on comprend finalement l'objectif final, qui est une espèce de ravalement de façade. Parce que croire qu'une seule personne qui soit dotée de toutes les facultés d'intelligence, présidentiable, puisse aller dans une architecture institutionnelle et constitutionnelle comme celle qu'on a aujourd'hui, sans absolument toucher à la nature du régime autoritaire, sans toucher à la question des pouvoirs, par rapport à la séparation des pouvoirs, leur répartition, à la limitation des prérogatives d'un président de la République, sans toucher à l'indépendance de la justice et non pas même pas essayer de la garantir, cette indépendance, sans qu'il y ait la constitution, quoi. Sans qu'il y ait tout ça, toutes ces questions-là, qui doivent être réglées. Et non pas attendre un président de la République pour que la population soit suspendue à son bon vouloir à ce monsieur,
pour que ce monsieur daigne, ce président élu daigne, nous faire les garanties nécessaires pour fonder un État enfin de droit et démocratique. Nous, on préfère dire une chose, c'est que c'est aux institutions de nous protéger de bavures ou bien d'un abus de pouvoir éventuel d'un président, et non pas au président de prêcher la fameuse parole où on attend, on lui donne un chèque en blanc et puis qu'on attend qu'il protège les institutions. Ça devrait être l'inverse. Boukhalfa, que faire donc? Bon, c'est pas que faire, c'est que bon, là où je n'accompagne pas mon voisin d'à côté, Karim, oui, là où je ne les accompagne pas, nous sommes dans une transition depuis le 22 février. Transition politique veut dire qu'à un moment donné... Nous, on le passe... peuple, vous voulez dire. Oui, bien parce sûr. Non, l'Algérie... Ils ne veulent pas accepter ce terme. Non, mais justement, aujourd'hui, c'est le paradigme. C'est le paradigme. Je comprends aussi que dans les microcosmes politiques, on ne veut pas de ce paradigme. On n'en veut pas. Parce que la révolution du 22 février est en train de consacrer de nouvelles légitimités. Nous avons une faction de jeunes Algériens qui ont décidé de prendre leur avenir en main. On les voit dans les manifs, on les voit, on voit de nouvelles têtes porteuses de projets, porteuses d'une vision. Oui, mais bon, est-ce qu'il faut quand même chercher, est-ce qu'il faut quand même chercher à trouver comment concilier entre ces deux positions? D'un côté, il y a le régime qui s'entête justement à aller même dans l'affrontement. De l'autre côté, il y a ces jeunes justement dont vous parlez qui disent « Yitna Hawga ». Parce que dialectiquement, nous, on atteint un point de non-retour. On ne peut plus revenir en arrière. D'abord, pour des raisons de représentation psychologique, l'Algérien n'a plus peur. Il a bravé l'interdit. Et ce qu'on voit à travers le territoire, les gens ne s'attendaient pas à le voir, puisqu'on était sur des schémas, sur des clichés dès le départ. Les gens du centre disaient que les gens de l'Djilfa, de la droite, ne bougeront jamais. Ce qui aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal encore à l'accepter. Mais quand je dis que nous sommes dans une transition démocratique depuis le 22 février, ça c'est extrêmement important, parce que la transition démocratique, elle se compose de deux. Il y a d'abord la transition politique et les moyens pour arriver à un renforcement démocratique. Je pense que les partis politiques ont leur rôle à jouer, je ne leur dénie rien du tout. Mais les légitimités qui vont être consacrées, parce qu'ils vont remonter, c'était le cas de la Révolution. En 54, les nouvelles légitimités qui sont arrivées en 1er novembre 54, bien que certaines étaient issues du mouvement nationaliste, mais elles étaient intellectuellement en rupture totale avec cette pensée du PPA et du MTLD, puisque l'essentiel des gens qui ont porté la réflexion de la Révolution avaient entre 20 et 30 ans, et intellectuellement sur d'autres horizons, ce qui est le cas aujourd'hui. Moi, je ne vais pas stigmatiser la classe politique parce que je n'aime pas ce terme. Ouais. Il est galvaudé, il n'a pas de sens. Chez nous, on a des clients, de la clientèle. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, depuis le 22 février, l'une des mesures que la plupart des partis politiques, je ne suis pas en train de leur donner des leçons, je pense que la première des choses à faire, c'était de demander à leurs députés de se retirer, ne serait-ce que par correction. Ça, d'une part. D'autre part, ça aurait été que la plupart de ces partis politiques puissent en douce, ouvrir des chantiers de communication, non pas avec les officines du pouvoir, mais être à l'écoute de ce qui se dégage de la société, ce qui n'a pas été fait. Parce que quand vous lisez aujourd'hui les contributions des uns et des autres qui sont dans les partis politiques, il y a une espèce de mépris parce qu'on parle de cette foule, de ce mouvement. Mais en réalité, on ne veut pas reconnaître ces gens-là qui vont émerger fatalement de toute façon. Cette révolution va émerger. Il y a des jeunes, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes qui vont émerger avec une vision politique qui dépasse celle qui a été jusqu'à présent défendue par la classe politique qui a accepté de jouer le jeu un peu parlementariste et d'accepter d'être sous la houlette. Donc la classe politique devrait justement aller vers ces jeunes pour les récupérer, les recruter. Pas du tout, elle devrait s'en inspirer et ouvrir les vannes. Et moi, personnellement, il y a quelque temps de cela, depuis un certain moment, j'ai, en discutant avec un certain nombre d'amis politiques, j'en étais arrivé à la conclusion que je lance un appel politique à tous mes amis, à tous mes amis qui sont dans le camp démocratique, qui sont dans des partis politiques, d'opérer une révolution citoyenne. Qu'ils prennent les rênes du pouvoir de leur parti. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de ces partis, il y a des caciques qui sont clientélisés. Quand vous avez des partis qui ont, je ne sais pas moi, une cinquantaine de maires, une dizaine de députés, ces gens-là, dès que vous leur dites qu'il faut rompre les amarres avec le système, ils ne voudront jamais.
parce qu'ils ne voient pas, ils sont dans une incapacité, je pense, structurelle de se projeter vers l'avenir. Il y a ici une question de philosophie aussi, de mentalité, comment voir la chose politique aussi. Bien sûr, ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas eux qui l'ont fait. L'exercice politique, Fatah, la manière justement d'exercer aujourd'hui, de faire la chose politique. C'est un vrai sujet, on peut en débattre sur plusieurs émissions si vous le souhaitez. Mais l'exercice politique, il n'est pas aisé en Algérie. Il va de la liberté d'expression, il va de la liberté d'opinion. Et jusqu'à quand justement on va prendre cet argument comme réponse valable, je veux dire. Parce que les partis politiques nous disent ça, la presse nous dit ça, les hommes politiques nous disent ça. C'est tout le monde qui nous dit ce n'est pas facile en Algérie. Mais c'est une réalité. Oui, qu'on ne peut pas refuser. En tout cas, pour les partis d'opposition, et je distingue bien les partis d'opposition des autres qui ont l'habit de l'opposition, mais qui sont l'opposition du pouvoir. Oui. D'accord. Alors, cela étant dit, moi, j'ai aucun complexe à défendre l'opposition. En tout cas, Jil Jadid, il a été parmi les initiateurs depuis des années. On ne s'est pas réveillé opposant le 22 février. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. On a été parmi les initiateurs importants de l'IXO, pour renvoyer à la mémoire d'il y a au moins 5-6 ans, de la CLTD, et plus récemment, il y a 2 ans de Mouattana, 2 ans et l'année dernière aussi de Mouattana. Donc on n'a pas de complexe vis-à-vis de l'opposition à ce régime parce qu'on a toujours été cohérent. C'est peut-être tout ce pare-choc, justement, ce parcours justement qui a choqué un peu les Algériens quand ils ont vu Jil Jadid le 6 juillet avec… – Venons-en. – C'est peut-être ça. – Venons-en, le parcours il est cohérent et il restera cohérent. Je pense qu'on peut nous reprocher peut-être beaucoup de choses, mais sauf la cohérence qui a toujours été la nôtre. Alors, pour revenir à cette opposition qui nous a été parfois reprochée à tort, par excès, etc., notre discours a toujours été le même. C'est l'opposition au régime, à Bouteflika quand il était sur place, et à ce régime dans son entièreté. Pour revenir maintenant dans le détail sur la participation à cette conférence du 6 juillet, nous avons été clairs et on l'a expliqué, et on ne cessera de l'expliquer s'il en faut. Il faut distinguer les faux problèmes des vrais. Mmh. Là où je rejoins aussi le diagnostic que vous venez de poser, c'est qu'une fois que les choses sont dites, chacun assume. Nous avons été invités à cette conférence en tant qu'observateurs et on nous a offert l'occasion de présenter notre diagnostic et notre solution. Parce que les autres, ils étaient invités en tant que quoi ? Il y avait des réunions préparatoires et les initiateurs et les parties prenantes de cette conférence-là, ça se préparait plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance, y compris avec les parties du changement. Peut-être un Algérien, Fatah Lambda, dirait pourquoi accepter justement d'aller partir dans une réunion là où tout est fait, tout est réglé déjà à l'avance. La preuve, c'est que tout n'est pas fait. Sinon, on serait sortis tous en applaudissant avec une feuille de route et le garde à vous et le 7, personne n'en aurait parlé. La preuve, c'est que si on en parle encore, et ce que Gaid Salah a repris son discours pour contrer certains éléments, c'est que rien n'est encore fait. Donc, pour compléter mon propos et revenir un peu là où on est peut-être en divergence sur la façon de faire, aller vers une élection présidentielle, c'est important, mais pas à n'importe quel prix. Et là, il y a des préalables sur lesquels on n'est pas prêt à transiger et on n'est pas prêt d'accepter n'importe quoi. On les a dit depuis le mois de mars, on a fait une déclaration le 10 mars, c'est que cette démarche vers une élection présidentielle que le peuple demande, le peuple, rappelons-nous encore une fois, il ne demande qu'une seule chose, c'est asseoir une légitimité de ses institutions. Point. Oui, mais excusez-moi, Fatah, là vous partez un peu très loin, mais est-ce qu'il y a des est-ce que c'est l'âme de fond, ces transformations sociales que nous vivons? Est-ce que vous, en tant que parti politique, vous les sentez ou pas? Parce que quand je vous entends dire, vous parlez de l'élection présidentielle comme étant quelque chose de relativement important, je peux entendre. Mais est-ce que ces mutations profondes de la société, vous, en tant qu'organisation politique, et je sais qu'en tant que citoyen, je vous croise et je sais, mais en tant qu'organisation politique, est-ce que c'est des choses qui vous interpellent? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui doit se renouveler même dans ces partis politiques dits d'opposition, qui va au-delà d'une simple… Parce que moi, personnellement, je n'ai pas entendu
une élection présidentielle comme étant une revendication. Non, enfin, quand je dis élection présidentielle, c'est un préalable et une composante parmi d'autres. Quand on parle de légitimité, la légitimité, elle s'assoit à tous les niveaux. On peut commencer de la présidentielle jusqu'aux législatives, à l'Assemblée, deux chambres de l'Assemblée, au niveau local, etc. Mais le peuple, encore une fois, il demande ce besoin d'être dignement représenté à travers le bulletin qu'il mettra dans son urne. Or, aussi, parmi les préalables que je commençais à évoquer, on peut en citer au moins trois. Le premier préalable, c'est le code électoral. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce code est fait pour servir le régime jusqu'à maintenant, et il ne pourra être utilisé en tant que tel si on veut être honnête vis-à-vis des citoyens. Deuxième préalable, la liste électorale, avec ses défauts notoires. Troisième préalable, et l'un des moindres, c'est tout le dispositif et le mécanisme de l'élection. Quand vous avez 48 walis des centaines de chefs de daïra qui sont à la solde du ministère de l'Intérieur qui dicte les quotas, on n'est pas dans une élection. Je vais me permettre juste de vous interrompre, excusez-moi. C'est-à-dire que là, on rentre quand même dans le détail technique. Mais dans quelle mesure ? C'est un détail peut-être technique, mais de fond. Oui, mais dans quelle mesure ? Est-ce que vous considérez que, dans quelle mesure vous considérez que le système, du moins sa façade ou l'état, ou le système profond, dans quelle mesure et en quelle proportion devrait-il être un partenaire dans cette transition ? Parce que c'est là où on se perd, c'est là où on diverge. Parce que vous avez une logique d'appareil. Vous avez une logique d'appareil, vous êtes très technique, vous êtes dans l'organisation. Il y a une révolution, il y a quelque chose. C'est cette réalité qui semble échapper à beaucoup de partis politiques. À la différence, et là où je l'assume pleinement, c'est que Gilles Jadid a toujours été, depuis sa création, proche du peuple. Alors, quand je parle de proche du peuple, on a des réunions de proximité très régulièrement, on a été visité, rappelez-vous, sans remonter à plusieurs années, l'année dernière, quand Gilles Jadid, à travers Mouattana et d'autres partenaires, à Lyon, à la rencontre du peuple, qu'a fait le régime ? Il nous a arrêtés, il nous a emmenés au commissariat le plus proche. Il a barricadé Constantine. Mmh. Rappelez-vous les images que tout le monde a vues. À Béjaïa, c'était la même chose. À Alger, c'était la même chose. Donc, quand on me parle de... Il avait fait ça avec tout le monde, hein, pas avec Gilles Jadid. Les enseignants, les étudiants, les résidents. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui... Ça ne nous a pas empêché. Et encore une fois, si vous... Aujourd'hui, vous voulez aller dans des élections. Ouais. Ou du moins, vous dites que les élections, c'est le peuple, c'est une revendication du peuple. On dit tout simplement mais que quand pour on instaurer, voit les vendredis, instaurer... Fatah, un instant, je vous donne la parole. Oui. Les vendredis, on voit des millions d'Algériens qui descendent dans la rue. Il n'y a pas d'élection. Mais qu'est-ce que c'est l'Aïsabat ? L'Aïsabat, il y a l'Aïsabat. Est-ce que vous avez pris en considération ça ? Absolument. Absolument, dans le fait que dans les préalables, il y a aussi le départ du régime, mais aussi le départ de toutes les figures et de toutes les personnalités qui ont été le symbole du régime. Donc, pour donner un exemple, Bedoui, en tant que chef de gouvernement, ne sera jamais le meilleur candidat ou le meilleur acteur qui mettra en route les élections. Oui, mais ils vont ramener un autre Bedoui. Cette constitution, est-ce que vous êtes d'accord pour le cadre de cette constitution qui donne tous les prérogatives d'un empereur au président prochain ? L'élément de réponse sur la constitution, parce que c'était aussi un deuxième point qui diverge, passablement, parce que si aller vers une constituante tout de suite pour remettre à plat la constitution versus une option processus constitutionnel sur certains aspects qui sont urgents, chacune a des avantages et des inconvénients, les deux options. Sauf que le régime va accepter d'aller dans des élections tout de suite, il ne va pas accepter d'aller vers une transition constituante. Et vous pensez qu'en forçant le régime, il va aller vers une constituante tout de suite ? C'est le peuple, pose la question. Qui va discuter ou qui va discuter les articles de la Constitution si demain le régime dit bravo, allons-y, discutons de la Constitution. Qui va être autour de la table ? Oui, mais le peuple n'est même pas dans cette philosophie, justement, cette logique d'attendre une réponse du régime. Allez. Moi, j'entends très très bien le point de vue de Gilles Jadid. Je voulais vraiment qu'aujourd'hui, on puisse avoir l'occasion, justement,
que vous explicitiez la feuille de route du Gilles Jadid, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on racontait tout et n'importe quoi, parfois. Ouais. Et moi, je n'ai pas spécialement d'animosité quelconque à ce parti. Je suis un militant indépendant qui dépend absolument d'aucun parti. Et donc, moi, quand on parle d'une révolution, il faut prendre des paramètres généraux. Déjà, des paramètres de base, ce qu'on appelle le cadrage. Le cadrage, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'un côté qu'il y a une révolution citoyenne, une révolution populaire, oui, qui est avec des mots d'ordre radicaux, de rupture avec le système et d'une transformation de l'État. En tout cas, dans sa fonctionnement actuel. Ça, c'est les demandes populaires qui est en révolution. J'ajoute que le mot même de révolution veut dire renversement, dans son étymologie profonde. Deuxième point, quand on regarde du côté du peuple, donc il y a cette légitimité populaire qui est à ne pas ignorer. La légitimité populaire, elle est, en termes de hiérarchie de normes, elle est supérieure à la légitimité électorale et élective. C'est la première. C'est la première. Donc on regarde ça en premier. Deuxième point, c'est de s'accorder sur un diagnostic de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qui est actuellement possible d'articuler rapidement pour sortir de la crise. Il ne faut pas qu'on se mette dans un imaginaire de crise. On est en train de réaliser une révolution. Et quoi qu'elle coûte cette révolution, il s'agit de régler un problème historique. Alors il faut bien prendre tous les contours de cette crise-là, de ce problème historique, de cette impasse historique, et apporter la réponse adéquate, non pas la réponse qui est là actuellement faisable, mais la réponse adéquate pour régler ce problème définitivement. Absolument. Vous parlez d'un régime, moi je parle d'un système. Le système, il y a à l'intérieur le régime, mais le régime, il ne suffit pas. On dit souvent « nidam », il y a à la fois « nidam al-hukm » qui est le régime, il y a à la fois dedans du personnel, il y a des personnes, il y a aussi un mode de gouvernance qui est autoritaire, il y a aussi des institutions, il y a aussi une mentalité, une culture et des dérives. Tout ça fait système. Donc nous, quand on essaye d'apporter une réponse à ça, d'autant plus que pour la première fois depuis l'indépendance, on a un appui populaire exactement sur cet axe-là. Précisément qui ne demande pas justement un changement de personnel politique, ou un président, il demande une rupture avec ce système. C'est foncièrement quelque chose qui doit s'inscrire. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans les institutions. C'est même quelque chose qui doit décomplexer. C'est ça. Normalement, ça devrait être censé libérer les partis politiques au lieu qu'eux-mêmes jouent aujourd'hui à tempérer, à modérer ce qu'ils appellent les passions populaires, qui sont le bon sens en réalité, parce que les gens, ils n'ont pas passé 57 ans sous un régime autoritaire pour aujourd'hui se réveiller à croire qu'un nouveau président va régler quoi que ce soit. Maintenant, je reviens vite, très rapidement à votre schéma, maintenant sur la question purement de la légitimité élective. Vous avez mentionné les fichiers électoraux, les garanties inhérente aussi à ces mécanismes, en réalité, vous réclamez juste l'instance indépendante d'organisation et de contrôle des élections. Tout ça, elle sera fait par cette instance, on est d'accord. L'instance ne va pas refaire le code électoral. Non, voilà. le code électoral lui-même. Demain, si on va y aller dans des élections, c'est cette instance indépendante qui va valider le code électoral. Non. Non. Je ne comprends pas. Alors, dans ce cas-là, vous allez valider. C'est l'administration qui va le faire. C'est encore pire. Il y a peut-être une confusion, effectivement. Oui. Alors, juste pour revenir, on est absolument d'accord à 300% que la légitimité, elle est d'abord populaire. Oui. D'ailleurs, le sens même de la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Oui. Ça, je pense que c'est ça. Mais là, puisqu'ils ont organisé eux-mêmes un vide constitutionnel, absolument. La légitimité populaire, on l'a de fait. Et la seule qui reste. La seule qui reste actuellement. Mais là, on est à 300% d'accord. La question qui sous-tend derrière, c'est quid ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on va rester à sortir tous les vendredis, tous les dimanches à l'étranger, tous les vendredis ad vitam aeternam ? Ou est-ce qu'il faut transformer cette volonté, cette révolution en action politique ? Et là, je pense que légitimement, les partis politiques ont leur responsabilité, je ne dis pas leur mission, déjà, responsabilité à prendre pour accompagner ce changement et donner le change aux citoyens qui est dans la rue. Je vais vous répondre. Mais sortir chaque mardi et chaque vendredi, c'est une action politique aussi. Bien sûr, je vais répondre directement. Elle ne suffit pas à elle-même. Oui, mais justement. À un certain moment, il faudrait aller vers une assise définitive pour asseoir par la voie qui est
malheureusement actuellement la seule qui marche, les élections. Je vais vous répondre directement. Je ne dis pas, il ne faudrait pas que vous compreniez à travers mon propos que nous sommes les défenseurs ou les pro-élections demain 11 juillet. Non, ce non, n'est non, pas non, mon propos. Notre conviction, c'est que la seule issue, c'est une élection propre et honnête. Oui, sauf que Fatah, les gens, les Algériens justement qui descendent chaque vendredi, disent que ça ne pourrait jamais être libre et honnête avec Ben Salah et avec Gaïd Salah à la tête de l'armée. Mais là, si on se fixe tous cet objectif ultime, je ne dis pas que ça soit demain, je ne dis pas que c'est le mois prochain, le temps que ça prendra, 6 mois, 8 mois, 1 an, mais encore, la seule chose qui compte, c'est que l'aboutissement qui soit réel. Je vais répondre, dans cette période de transition... Oui. Pour revenir à la question, on discute pas avec le régime, et bien justement, c'est cette latitude-là qui nous est offerte pour transformer le souhait populaire vers la transition. Moi, je vais vous répondre très rapidement et directement d'ailleurs, par un souci de cohérence de deux parties. C'est que l'élection présidentielle, elle doit venir pour couronner la fin du processus. Une fois que les légitimités populaires s'est exercée, enfin, on commence à la consacrer. Mais comment je vais vous répondre très rapidement. Le but, je suis d'accord avec vous sur un point, celui de transformer cette énergie populaire en énergie politique par des mesures. Ça, on est d'accord. Encore que les partis politiques ne soient pas timorés et qu'ils abandonnent en fait un peu la fameuse phrase « les pudeurs de gazelle » et arrêter de se sentir dans un climat clientélisé et un peu troquer les chaînes se dire que les citoyens la seule fidélité... Pas, ne sont pas dupes. Oui, oui, oui. Ne sont pas dupes. Les élections hantées 2019 ne seront jamais les élections futures. Je suis d'accord avec vous. Par contre, encore que, comme je viens de dire, c'est que les partis politiques précisément... La seule fidélité qu'ils doivent aujourd'hui, sermonner ou s'exiger à eux-mêmes, c'est la seule fidélité, c'est la fidélité aux demandes populaires. Parce qu'il ne s'agit pas, qu'est-ce que c'est qu'un parti politique sinon? Oui, mais la question était claire aussi, Ali. Je vais y aller dans le sens. Vous savez, l'exercice des... Parce que là, on voit bien qu'il y a un problème. L'exercice électoral. Oui. Pour moi, en tous les cas, l'élection présidentielle, elle doit venir à la fin. Oui, on elle est d'accord là-dessus. Elle ne peut pas être sur le milieu. Ce qu'il faut faire au milieu, par contre, c'est d'opérer déjà les garanties, les préalables démocratiques, à savoir, on ne peut pas négocier, parce qu'effectivement, on doit négocier avec quelqu'un du régime, et de préférence qu'il y ait un pouvoir réel à table, parce que c'est eux les détenteurs de fait pouvoir. Donc on converge vers cette... Il faut y aller clairement dans absolument, ce sens-là. Oui. Maintenant, il y a une histoire de rapport de force. C'est un rapport de force. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui n'est pas dépositaire du pouvoir. Donc on parle avec celui qui a le pouvoir, et c'est clair ça. Ensuite, deuxième point, les préalables démocratiques. On ne peut pas négocier. Quand il s'agit, on met encore en prison des gens. Quand il s'agit de... Plus de 60 jeunes qui sont... De 60 jeunes, on parle de... Oui, alors que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, pour les journalistes aussi, elles sont pas garanties. Et le peuple ne demande pas la libération... Admettons. Je vais y aller dans la proposition. Petite précision quand même. Le peuple ne demande pas que la libération que des 60 détenus. Non, non, non. Le peuple demande... Il y a des détenus qui sont là depuis 30 ans. Effectivement. Mais je vais y aller juste dans ce sens. Donc, une fois on a affirmé ces préalables démocratiques, ce qu'on appelle les mesures d'apaisement, histoire que déjà le pouvoir puisse faire preuve de bonne volonté d'y absolument aller vraiment dans un processus de transition. Ouais. D'accord, c'est préalable. Ensuite, est-ce qu'on va négocier avec quelqu'un qui était en fait la cheville ouvrière d'un régime depuis les années 70, à savoir Ben Salah? En quel nom il va s'exprimer d'une transition que lui-même a provoquée avec ses amis? Ouais, on est d'accord. Donc c'est pas possible. Donc Ben Salah et Bedoui, ils n'ont rien à faire dans une transition. Oui, tu m'excuses, Ali. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ces gens-là ne sont pas représentatifs, ne sont pas dépositaires du pouvoir réel. Il faut y aller dans une idée d'instance présidentielle. Il faut investir les institutions dans la révolution. Par contre, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de tomber dans un piège, le piège de ce pouvoir, justement? J'ai l'impression qu'on est en train de parler de... Libérer les détenus, et on a peut-être oublié l'essentiel, c'était justement de Itna Hawga. Non, c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là-dessus, justement? Oui, c'est une tentative de diversion, précisément, pour occuper l'espace et se concentrer sur les autres. Alors que pour moi, c'est un préalable, excusez-moi, je vais y aller juste très rapidement. Maintenant,
Quand il s'agit, on ne peut pas négocier avec ces gens qui sont à la tête de l'État, ils sont plus légitimes. Le peuple est digne. Il faut, il s'agit de transformer ces souhaits populaires aussi en véritable action politique. Ces gens-là, ils ne sont pas interlocuteurs. Ensuite, l'élection d'une instance présidentielle. Ce sont cette instance présidentielle qui va apporter de la société civile les garanties nécessaires pour amorcer une transition. Et puis un gouvernement de compétence nationale pour enfin avoir des institutions plus ou moins en mesure d'aller dans une transition. Ensuite, pour moi, en tous les cas, c'est mon point de vue, on ne peut pas aller dans une élection présidentielle sans que le chantier institutionnel et constitutionnel soit... réglé. Je ne parle pas d'une constituante, il y a plusieurs voies. Il faut y aller dans ce qu'on appelle un processus de transition à caractère constituant, On commence à... Ce sont des possibilités, c'est de ne pas y aller dans une élection tout de suite. Dit dans ces termes-là, je souscris à pleinement. Ce n'est pas votre position, encore une fois. La seule question qui se pose, c'est que après avoir fait le diagnostic, etc., il faut passer au concret. Il faut être pragmatique, parce que le peuple attend ça. On ne peut pas rester définitivement dans la rue à sortir jusqu'à je ne sais quand. Donc, le pragmatisme nous oblige à un certain moment que ce serpent qui se mord la queue, on commence par la présidentielle, par les législatives ou par... Peu importe. J'allais dire, le cadrage que vous avez cité, où il faut un cadre légal et institutionnel, etc., il faut qu'il le soit. Il faut le trouver, qu'il soit présidentiel, pourquoi pas, qu'il soit après législatif ou une autre instance que tout le monde aura définie, pourquoi pas. Mais il faut amorcer cette changement. Oui, mais Boukhalfa, justement. Je pense qu'aussi, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier. Là, on est en train de faire le déroulé de feuilles de route. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle du voisin d'en face, ça peut être la mienne. Mais là, qu'est-ce qui se pose réellement? Il y a une dynamique, il y a un mouvement qui veut un changement radical. Maintenant, de là à ce que moi ou un certain nombre de personnes soient les dépositaires d'une transformation politique de cette dynamique, je ne pense pas. Parce qu'il y a, une multitude de réflexions, il y a des mouvements, il y a des antagonismes politiques qui sont là. Oui, mais ça, la réponse, j'aurais tendance juste rapidement pour le dire, je reprends quelque chose. Oui. Il faut parler quand même des détenus. Donc, l'avocat maître Salah Dabouz vient d'entamer une grève de la faim parce que le régime profond lui impose de se présenter 3 fois par semaine à Ghardaïa alors qu'il travaille à Alger, tout simplement parce que lui-même défend des détenus d'opinion depuis le début du conflit du Mzab. Et il a des détenus. Donc je pense que ça me gêne parce que beaucoup de partis politiques n'en parlent pas. On va regarder Gaïd Salah avant le dernier tour de micro. Gaïd Salah qui parle des élections. الذي تتبناه المؤسسة العسكرية والرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية وكل الجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية حتى الآن وهي جهود مراعية أساسا للمصلحة العليا للوطن هذه المصلحة العليا التي تستوجب بالضرورة تجميع جهود كافة الخيارين من أبناء الجزائر واستنهاض هممهم في سبيل تحضير الفاعل والجاد لإجراء انتخابات رئاسية مقبلة في أقرب الأجال من خلال تبني الحوار الوطني الجاد والبناء الذي أشرت فتح إجراء الانتخابات في أقرب الأجال. Oui, mais enfin, lui, il défend un agenda qui lui est propre. Et nous, on le dit, et je le redis encore une fois, on n'ira pas aux élections présidentielles tant que les préalables ne sont pas respectés. On partage une bonne partie de ces préalables, qui sont les basiques.
Parce que tout compte fait, on parle de partis politiques, etc. Finalement, l'essentiel, c'est que le citoyen algérien puisse mettre l'urne qui correspond à son désir et à son souhait dans l'enveloppe, dans l'urne qu'il le jour J. Qu'il choisisse le parti A, B, C, D, c'est son choix le plus libre et le plus noble. Vous êtes avec nous aujourd'hui, mais Sofiane Djilali avait déclaré dans une vidéo qu'il y a des gens, certains veulent prendre le pouvoir par la force. On peut le penser, effectivement. C'est qui ? Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom, mais on peut très bien légitimement penser, ou craindre plutôt, que dans une période de trouble, et avec des menaces qui sont proférées par le Gaït Salah, entre autres, etc., que c'est l'hypothèse de l'état d'urgence que vous avez cité, oui, dans vos propos, soit une raison pour déstabiliser, et du coup, tout sera permis. Mais c'est mal connaître la conscience du citoyen algérien et mal connaître toute cette silmilla qui nous envahit depuis, depuis 5 mois. Voilà. Allez. Bon, pour moi, en tous les cas, si l'objectif, c'est que le citoyen puisse mettre une enveloppe dans l'urne, pour moi, c'est vraiment un réductionnisme de la nature de la crise en Algérie et, encore une fois, si je dis bien, un dévoiement des demandes radicales exprimées par la population. Et quand je dis dévoiement, je suis encore gentil, hein, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent dire autre chose. – D'accord, on ne choisit pas notre projet politique. – Ce n'est pas la question de ne pas choisir. Ça, je dis bien qu'il doit venir à la fin d'un processus. Il ne doit pas être dans une période de transition. On ne commence pas par une élection. On commence par… – Personne ne dit qu'il faut commencer par une élection. – Pourquoi vous ne le dites pas? C'est ça encore la fameuse… polémique depuis un moment de cette ambiguïté dans laquelle vous tombez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord qu'on purge la constitution de toutes les lois antidémocratiques? Qu'est-ce que vous en pensez des prérogatives accordées au président de la République? Qu'est-ce que vous en pensez du statut de l'armée dans le cadre de cette constitution? Cette constitution, il n'est pas possible d'y aller avec elle dans une élection. C'est ce que je disais, justement, le peuple ne veut pas d'élection dans le cadre de cette constitution. Je vous renvoie juste à une déclaration du 10 mars, donc ce n'est pas hier et ce n'est pas le 6 juillet, le 10 mars, on a dit clairement que les préalables sont là. La période de transition, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a peut-être pas le temps de tous les développer. Il y a 12 points qui doivent gérer, qui doivent… – On laissera ça pour une prochaine avec plaisir, émission. – Mais en tout cas, la période de transition, elle s'impose d'elle-même. Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il y a une élection sans. Non, mais parce que vous mettez tellement le point sur la présidentielle qu'on oublie parfois la pour finir, la parole à Boukhalfa. Boukhalfa, justement, Gaït Salah parle des élections en plus d'une stratégie, justement, qui devient plus claire, peut-être, de faire peur aux populations et avorter la révolution. Ah oui, mais de toute façon, c'est un paradigme de réflexion chez eux, c'est pas nouveau. Les rapports dans les chaînes de commandement militaire, c'est la subordination par rapport à son supérieur hiérarchique. On est là, on ne discute pas et on fait, oui, et on applique. Donc il essaie de reprendre ce même schéma avec, je dirais même, il y a une volonté de domestication des acteurs politiques, enfin des acteurs. Les alliés. Voilà, et aussi, par de la même, on essaie de domestiquer un peu la société par la peur. Mais c'est vrai que dans ce que vous dites, ce qui est important, un processus démocratique qui est réussi, c'est là où un gouvernement arrive par des élections libres. Ça, je le comprends tout à fait, mais je ne peux pas me focaliser sur une élection. Les préalables démocratiques, moi, je ne les appelle pas les préalables démocratiques, puisque là, nous sommes dans une transformation sociale, puisque ce qui, depuis 4 ans, 5 ans, ce que nous vivons, on en a parlé, ouais, on en parle depuis 4 ans, 5 Bien ans, même sûr, sur vos plateaux, on dit les transformations, les lames de fond qui touchent notre société, cette volonté de s'émanciper, il n'y a pas eu, l'année dernière, il y a 2 ans, les cafés littéraires, le système était affolé. Ouais. Les cafés littéraires posaient problème. C'était interdit, parce qu'il y avait une Merci. Prise. Une prise de conscience. Absolument. Et c'est là ce qui fait peur. Et ce que nous vivons aujourd'hui doit interpeller tous les acteurs politiques, du moins institutionnels. Je ne parle pas de l'opposition organique qui travaille pour elle-même, mais je parle de ceux qui s'inscrivent dans une perspective démocratique et qui veulent aller au-delà. C'est vraiment ne pas uniquement d'accompagner, mais de s'inscrire dans cette dynamique. Absolument. Et je pense qu'il y a des leçons à prendre et il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de ce mouvement.
Merci, je suis désolé Salim Salhi, Boukhalfa, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Merci Fatah Bendali, merci Ali Bouchterka, merci Boukhalfa Ben Mama, merci à Karim Tabou, cette émission arrive à sa fin, merci à vous toutes et à tous, à demain Inch'Allah, bonne soirée. صدور زيالو روح تبيع السردين شوفوا شوفوا ذاك العار متبهدل تحجر بعث الطالب من الدار روحوا رانا غلقين بعد يومين الغن قرار قالهم كنا خبطين الله يسطرنا من غيايار حضر يصالنا في الريار معاه نسى تعيش هنايا الزوالي مسكين مع الياورت عنده حكايا ولا شلبي طامي